Bonjour Gilbert Collard. Bonjour, bonjour. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'accueillir, merci. Et est-ce que aujourd'hui notre sujet est la COVID et le changement de la société française pendant 50 ans? Et tout d'abord, vous vous êtes engagé à gauche au début et après à droite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, est-ce que vous êtes anticommuniste? J'avais beaucoup lu Victor Hugo. Et j'étais, disons, un homme de gauche romantique, littéraire. Et puis je me suis rendu compte que la gauche était une vaste entreprise d'escroquerie qui vendait des idées pour mieux faire le trottoir à la pensée qui rapporte et qui permet d'obtenir finalement une domestication du peuple sous couvert d'idéaux verbaux, hein. Et j'ai quitté la secte, en quelque sorte. Quand Bernard Tapie est devenu ministre, vous savez, l'homme d'affaires, aujourd'hui malade, donc que l'on va épargner, puisqu'il a même subi un cambriolage récemment, mais c'est un bonhomme qui a quand même eu une vie pas très proche du peuple, loin s'en faut, et qui s'est retrouvé ministre dans un gouvernement de gauche. Alors là, je me suis dit que c'était trop, et que vraiment, il fallait quitter cette secte, et c'est ce que j'ai fait en étant très heureux de l'avoir fait. Et j'ai rejoint le Rassemblement National, qui à l'époque était le Front National, à travers un long chemin que je raconte dans un livre qui va apparaître bientôt, et que vous pourrez lire si vous voulez en savoir plus. Et quand vous dites c'est une secte, est-ce que, en gros, la France maintenant est dirigée quand même par des élites de gauche? Alors c'est très compliqué. Quand je parle de secte, c'est parce que j'ai vécu de l'intérieur le fonctionnement du Parti Socialiste. J'ai été moi-même contaminé. Hein, donc, quand j'entends certains discours de gauche, je retrouve la fabrique du discours. Ils ont à leur disposition tout un arsenal de mots connotés à une histoire, parfois fort belle, mais qui n'a plus rien à voir avec les mots qu'ils utilisent aujourd'hui. Par exemple, quand ils évoquent la résistance, la lutte contre la bête immonde, ils volent le sens des mots, parce que la résistance, au départ, elle a été le fait d'hommes de droite, de royalistes, de catholiques et d'hommes d'extrême droite. Je me suis rendu compte que ces gens, finalement, faisaient faire le trottoir aux mots, prostituer le langage. C'est comme ça que la gauche a maintenu et maintient encore son pouvoir sur les esprits, en vendant du rêve qui cache la réalité, une réalité d'oppression, hein, souvent de mépris pour le peuple. Il n'y a pas plus méprisant pour le peuple que les gens de gauche. Hein. On le voit souvent hein, quand il y a des vidéos ou quand on surprend leurs paroles. Et ils ont réussi à exercer une domination sur la culture. La domination de la gauche, elle est culturelle. Il n'y a pas qu'en France. Hein. C'est incroyable de voir à quel point entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, on a toujours préféré Sartre à Raymond Aron. Sartre qui a eu toujours tort et Aron qui a toujours eu raison. Mais il y a quelque chose de frauduleux dans l'histoire de France qui fait que on accorde aux gens de gauche un pouvoir d'humanité qu'ils n'ont pas, à une captation d'héritage finalement. Voilà. Lénine, du reste, s'en emparera lui aussi. Hein. C'est sous couvert des idéaux de la Révolution française qu'il installera la pire dictature du monde, en se référant notamment à la terreur. On l'oublie trop souvent. Bon, alors, si vous voulez, il faudrait faire un véritable colloque là-dessus. Hein. Mais disons que, à partir de Gramsci, qui est un théoricien de gauche, opposé à Mussolini, je crois qu'ils ont été amis à une époque, mais... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Mussolini a été socialiste, fut un temps. C'est lui qui a théorisé l'idée que le pouvoir se prenait par la culture. Et il a ô combien raison, parce que le pouvoir se prend par les mots. Par les mots. Et aujourd'hui, on voit bien qu'ils utilisent toujours tout un vocabulaire fabriqué dans les usines à langage des pouvoirs de gauche. Alors il faudrait reprendre mot à mot tout ce qui se dit pour le discuter et montrer à quel point on a affaire à des postiches verbales. Dans une émission, je me souviens, vous avez dit que vous trouvez c'est extraordinaire d'être un homme libre. Et est-ce que
à notre époque, c'est difficile d'être un homme libre. C'est risqué et on en paie le prix. On peut tomber, glisser sur un mot. Parce que ce pouvoir, a, ce pouvoir les pouvoirs en place aujourd'hui, hein, il faudrait se poser la question, que sont les pouvoirs en place aujourd'hui? C'est l'interaction entre des lobbies, des structures capitalistes qu'on peut retrouver même dans les pays qui se disent hostiles au capitalisme, hein, parce que le capitalisme est partout, y compris dans le communisme. Seulement, ils s'habillent de vêtements différents. Voilà, c'est l'union du capitalisme et de la bureautechnocratie. Ce que l'Union européenne illustre à merveille, ce que le communisme illustre à merveille, puisqu'on a une rencontre dans les pays communistes comme la Chine, par exemple, des lobbies, car le capitalisme est très présent en Chine, très agressif même, et une bureautechnocratie qui fait que ce capitalisme communiste fonctionne comme notre capitalisme capitaliste fonctionne en Europe et en France. Alors, cette rencontre entre la bureautechnocratie qui a besoin des mots pour dominer et des lobbies qui ont besoin de la bureautechnocratie pour imposer leur domination universelle, hein, on voit avec également les GAFA, tout ce que cela peut donner, nous sommes enserrés là-dedans. Et pour être libre aujourd'hui, il faut être plus fort que la bureautechnocratie, il faut être plus fort que les lobbies, il faut être plus fort que la peur, parce que pour un oui ou pour un non, aujourd'hui, les parquets, c'est les procureurs, hein, les procureurs qui sont quand même au service du pouvoir en France, hein, qui ne sont pas indépendants, vous poursuivent. Tout ça est très pénible et on se rend bien compte que la justice dévoyée est devenue aussi un instrument de ce totalitarisme. Il n'y a plus de sécurité juridique, on peut être poursuivi pour un oui ou pour un non. Il y a la loi et l'application de la loi. Chez les nazis, on appliquait la loi. Chez les communistes, chez Lénine, chez Staline, on appliquait la loi. Tout dépend comment on l'applique et comment on l'interprète. Et tout dépend si on a des juges serviles ou pas. Alors, il y a aujourd'hui une application de la loi qui est abusive. On a des textes de partout, dans tous les coins, dans tous les recoins. Et si on veut emmerder quelqu'un, il suffit de dénicher un texte et de le lui appliquer. Mais on a vu surtout apparaître, dans le cadre du quinquennat de François Hollande, des instruments répressifs très particuliers. Le parquet national financier, une autorité de police affectée aux infractions financières, une autorité chargée de contrôler la transparence, une 31e chambre correctionnelle chargée de juger d'affaires spéciales. Tout ça à l'époque où il y avait M. Gély, qui était directeur des affaires criminelles et des grâces, un ami de François Hollande, Mme Houlette, qui avait travaillé dans le ministère de Mme Royal, qui prenait la tête, Mme Houlette, du parquet financier. Bon, on a vu se mettre en place tout un système qui permet quand même de pourchasser les opposants. Voilà. Alors, c'est inquiétant parce qu'on oublie trop souvent que les juges sont choisis par le président du tribunal, hein, qui fait un peu ce qu'il veut et qui choisit le juge d'instruction qu'il a envie de choisir. Et le parquet choisit les chambres devant lesquelles il renvoie les affaires. Bon, donc, tout ça, on parle d'indépendance, mais quand on a le chef de gare dans la poche, on envoie le train où on veut. Tout cela ne sent pas bon. Quoi. On n'est plus dans le classicisme juridique qui fait qu'un texte s'applique en sa forme et qu'on ne peut pas le dénaturer par son application. Il faut revenir à une forme rigoureuse d'application de la loi, à une forme classique. Il y a aujourd'hui une interprétation de la loi qui fait que la loi, elle est votée par les magistrats, elle n'est plus votée par les députés. Ils font ce qu'ils veulent de la loi par la jurisprudence. Et ce n'est pas bon, la jurisprudence, elle doit être conditionnée, si je puis dire, par le fait, et non dénaturer le fait. Il défend, comment dire, il y a des lois perverses qui attaquent la moralité. C'est l'application de la loi qui est perverse. Quand on vote une loi, il faut toujours se projeter dans la réalité où elle va s'appliquer. Parce que avec l'émancipation liberticide de la jurisprudence, on fait dire à la loi ce qu'on veut. On lui fait dire ce qu'on veut.
quand on voit la jurisprudence de la Cour de cassation, on est effrayé de constater à quel point elle dénature parfois la loi, notamment en matière d'écoute. Le secret professionnel des avocats n'existe pratiquement plus. Et c'est dû d'abord à une loi votée par la droite, hein, c'est la loi Perben, hein, qui a porté son premier coup au secret professionnel de l'avocat, il ne faut pas l'oublier. Hein. Le secret existe à condition qu'il y ait un motif légitime. Bon, c'est ce qui est dans le texte de la loi Perben. Alors après, évidemment, la gauche, elle a beau jeu de continuer le travail qu'une certaine droite a pu faire. Hein. Mais on l'oublie trop, la droite a été liberticide aussi. Bon, alors après, évidemment, elle s'est fait mordre par ses propres chiens, mais tant pis pour elle. Hein. À partir du moment où les juges peuvent contrôler la manière dont un parlementaire utilise les fonds que le Parlement lui donne pour prendre des collaborateurs et la manière dont il organise cette collaboration, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Imaginez que le Parlement aille contrôler le travail d'un juge, bon, on crierait à la violation de la séparation des pouvoirs et on aurait raison. Et comment vous pensez le passeport vaccinal et le certificat numérique? On est piégé par la déformation du réel et on a du mal à comprendre. J'ai été frappé en lisant un très bel auteur français, Joseph de Maistre, dans son livre sur les considérations de la France, livre écrit au XIXe siècle sur la Révolution française, de voir ce qu'il racontait pendant la période révolutionnaire. Chaque fois qu'un événement arrivait, comme il en arrive plein aujourd'hui, les gens étaient atterrés. Vous ne comprenez pas. Et quand on leur disait « qu'est-ce que vous en pensez ?», tout ce qu'ils répondaient, c'est « on ne comprend pas, on ne comprend pas ». Ben, aujourd'hui, on en est là, quoi. La seule explication intelligente qu'on puisse donner aux événements qui nous bousculent, qui nous ballottent, qui nous écrasent, qui nous ridiculisent, qui nous font mal, qui nous endettent, c'est « on ne comprend pas ». On ne comprend rien, on ne comprend rien à la politique de vaccination, on ne comprend rien à la politique de dépistage, on ne sait toujours pas pourquoi on n'a pas les lits de réanimation qu'on devrait avoir, on ne comprend pas pourquoi on a inventé la notion d'activité essentielle et non essentielle. À un moment donné, les librairies n'étaient pas des activités essentielles. Vous voyez, on ne comprend pas. Bon. Alors, on se dit que si on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas forcément tous des abrutis, c'est qu'il y a derrière un travail qui se fait, qui a un but. Quoi. Alors, je rappelle quand même que Amnesty International vient de signaler qu'en France, on est mal placé pour la défense des libertés et qu'on s'est servi de l'épidémie, de la pandémie pour renforcer les atteintes aux libertés. Alors, on a beau jeu, vous comprenez, sous couvert de lutte contre la pandémie. C'est toujours au nom de la lutte contre le mal qu'on fait le mal. Autrefois, on disait « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». On pourrait dire aujourd'hui que l'enfer des atteintes aux libertés est pavé de bons textes de loi, bien moralisateurs. Mais au jour le jour, les libertés se restreignent, on met des menottes aux mots, on nous empêche d'aller et venir, on veut créer maintenant un passeport. Est-ce qu'on pourra revenir sur tout cela? Voilà, la question elle est là. Est-ce qu'il y a une clause de revoyure, comme on dit, hein? Est-ce qu'on pourra, une fois l'épidémie dissipée, une fois la pandémie chassée, est-ce qu'on pourra revenir sur toutes ces atteintes à nos libertés? La question, elle est là. Or, je n'ai vu nulle part de clause de revoyure. Et comment lutter contre des mesures qui sont censées nous protéger contre le mal? Vous voyez, la perversité du système, c'est qu'elle nous fait mal en prétendant lutter contre le mal. Contre le mal du capitalisme en Chine, contre le mal de la corruption en France. Voilà, mais on est piégé, parce que c'est au nom de la lutte contre le mal qu'on fait le mal. Par exemple, la Chine a propagé le virus dans le monde entier. Oui. Mais oui, il n'y a aucun pays qui ne réclame la responsabilité. Non, parce qu'il y a une interprénétration des intérêts aujourd'hui. Ça s'appelle le mondialisme. Regardez le comportement de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie. Les intérêts allemands font que l'Union européenne n'ose pas broncher contre la Turquie, qu'on n'ose pas bouger contre la Chine. Il n'y en a qu'un qui osait un peu la ramener, c'était Trump, mais on a fini par le faire tomber. Tout à l'heure, quand je vous parlais
du mondialisme, que quand je vous parlais, pardon, des lobbies, de la bureautechnocratie et de l'interpénétration entre les lobbies et la bureautechnocratie, j'aurais dû ajouter le mondialisme, qui est un troisième facteur de soumission. Et vu l'interpénétration économique, vu l'interpénétration des intérêts, vu la soumission, faute de souveraineté, que nous avons à l'égard de fournisseurs comme la Chine, en tout domaine, on peut rien dire. Alors on fait plaisir de temps en temps en attaquant les atteintes aux droits de l'homme. Mais c'est du blabla. C'est du blabla. On fait rien en réalité, on le sait bien. On sait bien, il suffit de voir la situation au Tibet. On n'a strictement rien fait du point de vue européen, pratiquement, concrètement, pour venir en aide au Tibet, qui vit une situation quand même de domination politique, autoritaire, réelle. En fait, dans mes yeux, le mondialisme, c'est une variante de communisme. C'est-à-dire, par exemple, en Chine, c'est une combinaison de capitalisme côté économique, mais communiste régime. Le mondialisme, c'est aussi c'est la finance, et après associer cette dictature de surveillance. Mais le communisme est un mondialisme, puisqu'il a voulu se transporter partout. Il a voulu, à un moment donné, c'était le mot d'ordre, par le biais du Parti communiste, instaurer un communisme universel. Il n'y a pas réussi, mais à un moment donné, quand même, l'emprise était forte, et c'était une emprise à caractère mondialiste, qui ne le disait pas, mais qui le faisait. Et tout cela avec en plus, quand même, un soubassement économique d'une voracité réelle, d'une voracité géographique, géopolitique, économique, boursière, capitaliste. Donc on peut dire que le communisme a été l'un des fourriers du mondialisme. On appelait ça autrefois l'universalisme. C'était beau, là, hein, quand on voulait transporter, par exemple, les idéaux de la Révolution française un peu partout, c'était au nom de l'universalisme. Malheureusement, l'universalisme est devenu un mondialisme. C'est plus du tout la même chose. Parce que l'universalisme, il pouvait être désincarné un temps, pas tout le temps, un temps. On sait bien que tout commence en mystique et tout finit en politique, mais très vite, ce mondialisme a pris le pas et a pris un pas dominateur. Il faut utiliser l'arme terrible de l'humour. On ne l'utilise pas assez et nos adversaires en ont peur, comme le diable a peur de l'ail. Voilà.